Donc là, on va faire la recette du caviar d'aubergine. Vous avez besoin de deux aubergines que vous allez couper en morceaux avec la peau. Donc bien sûr, vous enlevez la tête et vous coupez en petits morceaux. Je vous montre le résultat. J'ai coupé en petits morceaux. De toute façon, après, ça va être mixé. Hein. La taille, c'est des petits carrés comme ça. Donc moi, je vais le faire avec mon Myogo. C'est un peu l'équivalent d'un robot Kenwood. Ou je pense que vous pouvez le faire avec tout type de robot. Par exemple, le Cookeo. C'est très facile. Hein. Je pense que même avec une casserole, ça pose pas de problème. Je vais mettre tout simplement un fond d'huile. Voilà, je crois que ça colle. Je vais y verser mon aubergine coupée. Vraiment un petit fond d'eau. Voilà. Pour pas que ça colle. Ensuite, on ajoute toutes les épices. Donc là, je vais mettre du piment doux. Je vais mettre bien sûr de l'ail. Du sel. Hop. Du poivre. Et vous pouvez rajouter de la coriandre, ce que vous aimez. Avec le Myogo, que j'ai acheté d'ailleurs chez Boulanger. Hein. Je vais mettre à vitesse 1, 100 degrés et c'est parti pour 50 minutes. Donc c'est un peu long, mais en vrai, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez du temps, donc vous laissez cuire, mijoter, pareil pour le Cookeo. Et ensuite, vous allez faire vos ralottes, vous allez faire votre poulet, voilà. Voilà, c'est parti, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. C'est cuit, on va mettre à vitesse 10. Pendant 10 secondes. 10 secondes, hop.